Hey, le deux micros. Eh bien, salut tout le monde, c'est Adena, c'est... On se retrouve pour ce cinquième épisode sur Haven, Curse of the King. La dernière fois, nous étions infiltrés dans le château de Darkwater. Ou voilà, le château de Darkwater, ou de l'horreur, ou de la rage, tout ce que je voulais. Et nous nous étions arrêtés devant cette porte qui... intrigante, hein, on sait pas ce qu'il y a derrière. Là, on s'approche, voilà, elle s'ouvre pas parce que évidemment évidemment voilà. Du coup, si je vous le répète au cas où, si vous m'entendez que d'une oreille, mettez sur vos enceintes le son parce que c'est franchement énervant et je ne peux rien y faire. Là, je sais même pas, j'ai vérifié juste avant. Haven, qu'est-ce que tu as dans les veines? Haven. Bien, parle-moi de ton ami, Haven. S'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne sais rien du tout. Parle. Je ne sais pas de qui vous parlez. Très bien. Voyons voir si quelques milliers de volts te rendront plus coopératif. Ah! Hé! Hey, laisse-la partir! Haven? Tiens, tiens, tiens. Comme c'est drôle. Le chevalier armuré d'un seul nom libérant la demoiselle en détresse. Heaven, fais attention! Si vous croyez me vaincre, vous n'êtes décidément pas au courant. 4000 volts, ça fait quand même mal, non? Je sais pas. Du coup, ouais, c'est ça qu'il faut faire, ok. Faut désactiver les boucliers en enlevant l'énergie qu'il y a dedans. Moi, je veux bien ça, par contre. Il y a plein de vie. Ce que je me souviens, c'est l'horreur, ce boss. Donc, bah, on va voir. Par contre, j'ai plus ce qu'il faut faire. Non. Le prix. Est-ce que ça rebondit sur mon bouclier, moi? Ah, t'es obligé de te faire mal en le tapant, quoi. Non mais rends-moi ça. Rends-moi ça. Vas-y, vas-y, c'est pas compliqué. Voilà. Merde. Et merde, je le reprends à chaque fois. Merde! Comme ça il attaque pas. Oh! Et merde! Ah, on peut pas passer à travers! Je passe à travers quand même. Ouf! Non mais. Oh, c'est pas un peu pas légal ça. Voilà. Purée. Ah, t'es obligé de te faire toucher. Mais reviens. Bon. Donne-moi tout ça, toi. Ça va, pour l'instant, on gère. Non. Elle est censée le toucher pendant cette phase. Non. Change de sens, ouais. Non mais arrête de bouger. Ah, mais please. Bon. Là, je me concentre là, c'est bon. Je fais pas de la merde, là, je suis chaud. Voilà. Mais meurs un jour, par contre.
C'est bon. Il avait tort. J'étais bel et bien au courant. Je savais que tu viendrais me sauver. Comment puis-je te sortir de ce trou? Le bouton d'ouverture est sur le pupitre de commande, là-bas. Ok, laisse-moi voir. Bon, d'accord. Ça, c'est la lumière. Ah, j'en étais sûr. Heaven, tu sais ce que tu fais? Bien sûr. Ouais, ne t'inquiète pas. Oups, pardon, pardon. Ok, cette fois, c'est bon. Attends, tu es vraiment, vraiment certain que c'est le bon? Sûr. Autodestruction enclenchée. Vous avez 10 minutes. C'est bon, c'est bon. J'ai trouvé. Attention, vous avez une minute pour évacuer. Vous avez 30 secondes pour évacuer. Le pire. Sortons, vite. Par contre, en 30 secondes, ça va être chaud. Tu sais comment fonctionnent ces trucs-là? Mais fais quelque chose! Ah! Ah, voilà! Il est con! Bon, chess, hein, on a fini le jeu, là. Bon. Allez. Nous revoilà dans la zone de l'incendie. Peut-être pas. Bon, cette libération a été un peu inhabituelle. Tu crois qu'on nous a vus nous enfuir? Non, aucune chance. Personne n'est revenu. Oh, fantastique. D'abord, on m'arrête, et puis je suis libéré par l'idiot du village. Hey, je voulais juste aider. Ce n'est pas ma faute si on t'a arrêté. Mais si! Si tu n'avais pas insisté lourdement avec tes rêves stupides, rien de tout cela ne serait arrivé. Comment ça? Mes rêves? Oui. Pourquoi crois-tu qu'ils m'ont arrêté? Ils voulaient savoir depuis quand tu faisais ces rêves et si tu entendais. Je ne comprenais rien. Ils disaient qu'ils allaient parler avec un vieil esclave sur l'île des héros. Ils pensent qu'ils pourraient connaître le sens de tes rêves. Je le savais. Je savais qu'ils étaient importants. Eh bien, il faut qu'on parle au vieil esclave avant de... Au cas où tu ne t'en serais pas rendu compte, tu viens juste de détruire le château du suzerain. Les gardes sont sans doute à nos trousses. Mais on doit aller à l'île des héros. Tu ne peux pas. Seule l'élite des esclaves a le droit d'y aller. Et si tu n'as pas remarqué, ils ne reviennent jamais. Écoute, si le vieil esclave connaît le sens de mon rêve, il faut que je lui parle. Bon, ça a l'air stupide, mais je dois le faire, c'est tout. Bon, je regrette. Merci de m'avoir sauvé et tout ça, mais je ne cours pas après des rêves. À la prochaine. Attends, avant que tu partes, je voudrais te donner ça. Qu'est-ce que c'est? Du quartzonium, essentiellement. Si tu parles dedans, ta voix résonnera dans les deux moitiés. Tu pourras ainsi me joindre si tu, as des ennuis. Et mon chevalier servant viendra me libérer, hein? En quelque sorte. Heaven, tu es craquant. Fou, mais craquant. Oh, bravo, Heaven. Maintenant, ta seule amie te prend pour un cinglé. Et si la légende était vraie? Et si l'esclave réussissait à faire retentir la voix? Et si Atelion revenait? Non, Seigneur Vetch. Bien, bien. Cet esclave a peut-être des ressources, mais il est jeune et naïf. C'est une faiblesse qu'on pourrait exploiter. Eh bien, magnifique cinématique. Hein. Nous avons détruit le château sans que personne ne le remarque, hein, bien sûr.
on a tué le suzerain. Et bah, nous devons aller à l'île des héros pour aller voir le vieux qui doit nous apprendre ce que signifient nos rêves. Et bah, du coup, on va continuer parce que bah, ça fait que 10 minutes. Hein. C'est assez court le passage là, il me semble. Donc, bon. Je me souviens plus trop de ce que c'est. Ça va être la galère. L'émulateur fait un peu de mal là. Je sais pas ce qu'il fait galérer là. Mais ouvre-le. Merci. Ouais, il y a quelque chose qu'il aime pas. Du coup. Ah. Ah, je me souviens. Okay. Excusez-moi. Ah ouais. Bonjour. Espèce de casse-pied. Ça vous amuse de faire peur aux gens? Désolé. Pouvez-vous juste me dire comment aller à l'île des héros? Ah ouais. Il faut prendre un ferry sur les queues. Les queues? Ah, vous voulez dire les quais? Les quais. Ah, les queues. Et on sort de 10 km, mon gars. Tu n'y arriveras jamais d'ici. En tout cas, pas avec deux petites gambettes comme les tiennes. Non, fiston, il te faut un transport, vraiment. Je te prêterai bien de mes tricycles, mais tu n'es qu'une mauviette. Hé, hey, je peux conduire ça. Quoi? Toi? Ok, ok, ok. Tu sais quoi, mon gars? Si tu me bats sur cette piste, je te prêterai le tricycle. Bon, tu n'as rien d'autre en vue, non? Non, je ne crois pas. Pour que ce soit plus marrant, des amis à moi se joindront à nous. Eh bien, nous, pour pouvoir continuer à avancer, il nous faut gagner cette course pour gagner un tricycle avec 4 roues. Évidemment, c'est la logique. Et c'est pas très dur, je crois. Faut juste le rattraper au bon moment. Déjà 5e. Oula, l'émulateur il ralentit puis accélère là. Ouh, trop de vitesse. Ah oui, on a du temps en fait. Je crois qu'on n'est pas obligé d'être premier. Si. Je sais plus. On serait bien de les rattraper. Ils sont où? Ils sont trop loin là. Ils ne freinent pas. Dans une course, du moment que tu freines, tu payes. Enfin, c'est juste comme ça en tout cas. En tout cas, les voitures sont très maniables. Hein. Elles tournent direct. Ça, j'aime bien. Pas très réaliste, mais ça tourne direct. On me prend tous les murs. Enfin, moi je suis doux au jeu de course. Hein, Franchement, je suis meilleur du monde. Hein. Troisième, ça suffit. Bah, tu as gagné, Salmon. D'accord. Prends ce machin. Je m'en fiche. Wouhou! Merci. Au lieu de faire tout le tour de l'île, passe donc par cette route-là. Tu y arriveras deux fois plus vite. Parfait. Et merci pour le tricycle. De rien. C'est toujours un plaisir d'avoir la visite d'un maigrichon comme toi. Ça gagne la journée, pour ainsi dire. Mais bon, il faut que j'y aille maintenant. Alors, prends bien soin de toi. Salut! Symbole interdit. Une décharge de pignon pour réparer le portail. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu. Je dois les arrêter, prendre les pignons. Et vite!
cette phase. Je sais plus comment on fait par contre. Cette phase, je m'en rappelle, mais je sais plus comment on fait. Ah, l'énergie bleue. Hein? Ok. Et là, je dois leur foncer dedans. Il y en a pas, évidemment. Ça reste infini, hein. Vas-y, vas-y. Et bim. Il faut détruire les 5 comme ça. Ok. Plutôt facile, hein. Je lance missile. Du coup, là-bas, il y a un truc bleu. Sur la mini-carte. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Là, oh, une lumière bleue. Ah purée. Il me faut la lumière bleue. Au moins pour 300, hein, ça marche. Non. Là, 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 là. Ah, il y a des autres gens aussi. Je peux prendre le pignon, ça marche. Tu peux le prendre. Ça pourrait être pas mal. Vas-y, tu peux le faire. Ah, ça tombe trop. Ah bah. On va remonter. Hein. On va aller tuer un autre. Si on y arrive, parce qu'on est un peu handicapé. Hein. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Du coup, je l'ai pu. Je l'ai pu. Vas-y, mais vas-y. Là. Pas là-bas. Tu vas ramasser le pignon déjà. Il est où le pignon? Là le pignon. Non mais. Non mais s'il te plaît. Respecte-moi un peu quoi. Purée. Je suis pas doué. J'aimerais bien finir cette phase. C'est pas ma préférée, je vais pas vous le cacher. Si c'est sympathique, ça change, mais bon. Si je peux éviter de galérer pendant trop longtemps pour de la merde, ça m'arrangerait. Il monte. Monte. Je le fais. Ah bah là-bas, là-bas, là-bas. Fonce dedans. Enfin, le truc, il se téléporte un petit peu quand même. Il faut du katana parce que sinon on va mourir de temps. Allez, on fonce sur celui-là. Tombe pas par contre, s'il te plaît. Il va 7000 là. C'est le dernier, non? Non. Ah, lui. Du coup... Ah! Il y a plein de missiles. Du coup, là-bas, il y a une boule. Va, on l'attrape.
Bah oui. Ah, c'est trop facile, sinon c'est... je me rate. C'est une grosse merde. Va là-bas. Reviens. Il y en a là-haut. Je pourrais en avoir une quand même, un jour. Là-bas. Ah, t'es sérieux. Sérieux. Dégagez-vous, voilà. Fonce. Fonce. Allez, on peut le faire. Va. Et voilà. On va réussir à ramasser le pignon. Risque d'être assez compliqué. Ah voilà, j'aimerais bien l'avoir en visuel quand même. Merci. Du coup, on peut se diriger vers la sortie. Ah, le vilain quand même, il a voulu nous piéger quoi. Avec des zones bloquées et tout là. Alors, désolé pour le petit bug d'émulateur. Hein. Ah bah moi, j'y peux rien. J'ai pas un PC de fou. C'est déjà pas mal que je joue un FPS sur mon ordi. Voilà. Donc, on a fini. Et du coup, nous arrivons au... à la baie de Clearwater. Ok, les trois amarres du ferru, charger les bâtons électriques du ferru avec l'énergie du bouclier. On va devoir réparer un bateau, apparemment. Et bah, ce sera pour la prochaine fois, parce que... voilà, ça fait déjà 22 minutes. Les épisodes d'Haven sont plus courts, mais les niveaux sont plus courts aussi. Et je vais pas commencer, sinon ça va être trop long. Je sais ce qu'il y a après. Et bah, 22 minutes, c'est correct. En plus, j'ai même pas le temps. Donc, de toute façon, voilà, c'est moi qui décide. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.